Tout ce qu'il faut voir à Florence étant concentré dans un petit périmètre. Mieux vaut découvrir la ville à pied, laisser la voiture à l'extérieur du centre historique et s'y rendre en bus. C'est très pratique. Le bus 17 va nous déposer à Piazza San Marco, située à quelques minutes de la cathédrale Santa Maria del Fiore, le cœur de la vieille ville de Florence. Tout de suite, après la descente du bus, je vais vous faire découvrir une petite merveille. Nous arrivons sur une des plus magnifiques places de Florence, la Piazza della Santissima Annunziata, avec sa basilique du même nom qui va vous surprendre. Rien à l'extérieur n'indique ce haut lieu de la Renaissance. Ici, pas de file d'attente, pas de guichet, rien à débourser. Pourtant, cette très belle église baroque est un véritable musée avec des tableaux, des sculptures, des fresques des plus grands artistes de la Renaissance comme Andrea del Sarto, Cosimo Rosselli et bien d'autres. On entre pas tout de suite dans l'église, mais étonnamment, dans ce cloître que je vous laisse découvrir ainsi que cette magnifique basilique. Au centre de la place se dresse un grand statue équestre en bronze de Ferdinand Ier de Médicis, une œuvre de Gian Bologna. Nous allons nous diriger maintenant vers la cathédrale Santa Maria del Fiore. Nous voilà Piazza del Duomo, devant la cathédrale. Ici, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Nous voyons sur cette place la magnifique cathédrale, surmontée de la majestueuse coupole de Brunelleschi. À côté, le campanile de Giotto, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique de Florence. Et, face à la cathédrale, le baptistère di San Giovanni. Ces trois édifices sont recouverts d'une fastueuse décoration de marbre polychrome de Campagne et de Carrara. Sur cette place, vous remarquerez également la loggia del Bigallo di stile gothique. La cathédrale Santa Maria del Fiore, baptisée ainsi en rapport Ulysse, symbole du mont Florence, la ville de fleurs. Sa construction a commencé en 1296. L'église a été consacrée le 25 mars 1436, à la fin des travaux du dôme de Brunelleschi. Ce dôme maçonné, le plus grand au monde, se retrouve surtout les reproductions souvenirs de Florence.
et jusque dans la pâtisserie sous forme de gâteau. Nous allons visiter l'intérieur de la cathédrale. Pour ça, il va falloir faire la queue pendant un bon moment. On a commencé la queue à en faire moins bas. En attendant, je vais vous parler de la tour de Giotto et du baptistère. La tour de Giotto de 84,70 m serait terminée en 1349. Elle est le campanile de la cathédrale, considéré comme le plus beau d'Italie. Les 414 marches à gravir sont récompensées par une vue somptueuse sur la place du Dôme. Le baptistère de forme octagonale est coiffé d'une toiture pyramidale. Son rôle de baptistère est officiel en 1128. Il est particulièrement connu pour ses portes en bronze ornées de bas-reliefs, dont la célèbre porte du paradis, aujourd'hui remplacée par des copies. Après 1h15 de queue, on rentre à la cathédrale de Florence. Hurra! Lorsque l'on rentre dans la cathédrale, on est frappé par l'ampleur de l'espace et par la sobriété des décorations. Une simplicité qui souligne les dimensions gigantesques de l'église. L'enrichissement de la cathédrale, par de fastueux pavements de marbre coloré, date, quant à lui, d'un second moment de l'histoire de la cathédrale, sous les auspices de grands-ducs du XVIe siècle. De nombreuses œuvres d'art sont disposées le long de nefs latérales, fresques, peintures, portraits en relief, etc., etc. Le portail principal est surmonté d'une horloge colossale exécuté en 1443 par Paolo Uccello. C'est une horloge liturgique. Elle tourne dans le sens inverse de l'aiguille du monde, avec un cadran à 24 chiffres. Les 44 vitraux de la cathédrale ont été exécutés par le plus grand nom de l'art florentin, Donatello, Ghiberti, Paolo Uccello et Andrea del Castagno. Le point culminant de notre visite sera une fresque de 3600 mètres carrés de Giorgio Vasari et Federico Zuccari, illustrant la foi traditionnelle dans un paradis et un enfer. Maintenant, nous allons déjeuner. Je connais un petit restaurant qui fait la spécialité de Florence, la bistecca alla fiorentina. Venez avec moi. Pour nous mettre en appétit, nous allons passer par le marché de San Lorenzo, le marché le plus important de la ville. Ici, plus de 1000 stands de toutes sortes, de frites, de souvenirs de vêtements et des articles en cuir, etc. Voilà notre restaurant. Bon appétit. Revenu devant la cathédrale. Maintenant, nous allons nous rendre dans l'autre côté de fleuve, l'Arno,
pour visiter le jardin de Boboli, 10 minutes à pied. Pour arriver à Oltrarno, c'est comme ça qu'on désigne ce qui est de l'autre côté du fleuve, nous allons passer par le Ponte Vecchio, que sera l'objet de notre dernière visite de la journée après Boboli. Le magnifique jardin de Boboli est l'un des plus grands et plus élégants jardins à l'italien au monde. Créé par la famille Borgolo, d'où le nom de Boboli, à partir de 1418. C'est un musée à ciel ouvert, principalement de sculptures, de fontaines avec des chênes centenaires. Le Ponte Vecchio, symbole romantique de Florence, construit en 1345 par Taddeo Gaddi, un élève de Giotto, est le pont de pierre le plus ancien d'Europe, utilisé à l'époque par la famille Médicis pour rejoindre le palais Pitti. Les maisons suspendues abritaient des charcutiers, poissonniers et tanneurs. Ces derniers ont dû plier bagages en 1593, car Ferdinand de Médicis ne supportait pas les odeurs. Ils ont été remplacés par des orfèvres et des bijoutiers, qui occupent toujours les arcades de sept emblèmes florentins. Impossible de visiter la capitale de la Toscane sans passer sous ce pont mythique, le temps d'un shopping pour acheter un bijou ou simplement pour admirer un coucher de soleil sur l'Arno.